Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de rentrer le code créateur NCU dans la boutique Fortnite, ça m'aide énormément et ça va me faire très plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront et bonne vidéo. Yo les potes NCU, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ça va être très simple, je vais vous montrer comment déverrouiller 3 items gratuitement, sans fake, etc. Vous connaissez. Donc avant, il y avait marqué dans les actualités ce qu'il y avait à gagner, mais là, il n'y a plus marqué. Il y a un nouveau pistolet, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et genre vous voyez, c'est pas des défis, c'est pas tout ce que vous voulez, il n'y a rien du tout. C'est vraiment 3 items à débloquer. Donc le premier, ça va être un petit revêtement. Voilà, il ressemble à ça. Petit revêtement Saint-Valentin, stylé. Le deuxième item à débloquer, ça va être l'émoticône. Donc celui-là, le petit cœur. Et le troisième, c'est la pioche que j'utilise déjà, parce qu'elle est très stylée. Et vous ne pourrez pas l'acheter en boutique normalement. Donc c'est pour ça qu'il faut l'obtenir parce que vous la verrez plus jamais. Donc on va commencer par le petit revêtement. Le revêtement c'est le plus simple les gars. Vous avez juste à vous connecter dans une période. Ça veut dire si vous vous connectez dans un an, vous n'allez pas l'avoir. Par contre si vous vous connectez dans la semaine, vous allez obtenir le revêtement gratuitement. Donc essayez de vous connecter assez vite. Moi je l'ai reçu aujourd'hui, ça se trouve demain vous pourrez plus l'avoir. Donc connectez-vous assez vite sur votre jeu. Et puis comme ça vous allez débloquer le petit revêtement. Et si vous ne l'avez pas, dites-le-moi en commentaire parce que normalement tout le monde l'a. Donc connectez-vous et puis vous allez l'obtenir. Deuxièmement, on a l'émoticône. Et pour l'obtenir, celle-là, il faut vous inscrire sur un site officiel de Fortnite. Donc pas de site bizarre, c'est un site de Fortnite. Je vais vous montrer le site juste après. Et pour la pioche, vous allez devoir jouer 30 minutes à un mode spécial sur Fortnite. Donc voilà, 30 minutes dans un mode. Je vais vous montrer quel mode, évidemment, juste après. Et en attendant, on va se retrouver sur le site en question. Ok, du coup, je suis sur le premier site. Il y a 3 sites, je vais vous montrer les 3 sites. Le premier site, ça va être celui-là qui va tout vous expliquer. On va le lire vite fait. Le deuxième site, ça va être celui pour se connecter et avoir l'émoticône. Et le troisième site, ça va être celui avec le code de la map pour jouer 30 minutes. Donc, jouez avec vos créateurs de contenu Fortnite préférés dans le nouvel événement Fureur Créative de l'amour dans l'air. En gros, l'événement Fureur Créative, ça va être une sorte de death run avec des abonnés, avec des youtubeurs, etc. Et vous devez faire le meilleur temps possible pour être recruté dans leur équipe. Donc, si vous inscrivez à la Fureur, vous allez obtenir des récompenses. Donc ça a commencé il y a 2 jours, donc je fais la vidéo un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Et vous avez, je pense, 1 ou 2 semaines, donc ça va. Donc le site, il est là pour s'inscrire, je vais vous le montrer juste après. Et donc la première récompense est l'émoticône. Pour cela, il suffit de vous inscrire sur le site. Donc rien de plus simple. Et deuxièmement, vous pouvez obtenir la pioche bonus, donc celle-là, en jouant 30 minutes sur la carte. Donc cette carte-là, que je vais vous montrer juste après, pareil, on va aller en créatif. Donc 30 minutes, vous avez ça, et juste en s'inscrivant, vous avez ça. Et puis ici, vous avez les informations. Je ne vais pas les lire, mais vous les avez. Et en France, les youtubeurs, c'est Nanas, Unchained, Jean-Fils, LEN, Tixi, Jolavani, Zedfar et Le Bouzeux. Voilà tous les youtubeurs français. Et puis après, il y en a d'autres, mais bon, ça, on connaît. Du coup, voilà, on se retrouve tout de suite sur le site pour s'inscrire et gagner l'émoticône. Ok, les gars, on est sur le site. Il y aura le lien en description, évidemment, avec le site. Comme ça, vous avez juste à cliquer, hop, et c'est aussi simple que ça. Donc en haut à droite, vous devez vous connecter, d'accord? Donc là, on voit mon pseudo parce que je me suis connecté. Normalement, vous, il y aura marqué juste connexion. Donc vous appuyez, vous vous connectez soit avec votre PS4, Epic Games, en vrai, peu importe, juste vous vous connectez. Ensuite, vous allez aller ici dans étape 1, vous allez choisir un créateur. Donc je ne suis pas là malheureusement, mais peut-être la prochaine fois. Et donc voilà tout ce qu'il y a. Je vous conseille de prendre un français, on ne sait jamais. Parce que si vous prenez un espagnol alors que vous habitez en France, je sais pas si ça va marcher. Du coup, vous appuyez ici, France, et voilà tous les youtubeurs que j'ai dit tout à l'heure. Hop, Jolavani, Unchained, Le Bouzeux, Jean-Fils, LEN, Nanas, Tixi et Zedfar. Moi, j'ai pris Le Bouzeux. Voilà, je sais pas qui est-ce que vous allez prendre. Vous prenez n'importe qui. Ici, vous allez choisir votre région. Il y en a plusieurs. C'est des pays, c'est des continents. C'est un peu le bordel. Il y a la Russie, il y a la France. Moi, j'ai pris la France. Enfin, c'est normal, je suis en France. Ici, vous mettez votre adresse mail. Donc, votre mail, si vous ne savez pas ce que c'est, bah, c'est l'adresse mail avec l'arobase, etc. Vous connaissez. C'est genre l'adresse mail avec lequel votre compte Fortnite est fait. Ici, vous allez marquer le temps de votre parcours parce que c'est un parcours. À la fin de la map, il y a marqué votre temps. On va voir ça après, vous inquiétez pas. Donc, vous marquez combien de temps vous avez fait. Imaginons que vous avez fait 4 minutes, hop, 5 secondes, 25 millisecondes. Et ici, dans le lien YouTube, en gros, vous allez publier votre record sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours cool à faire. Et donc après, vous mettez le lien de votre vidéo YouTube avec votre record. Et donc voilà, après avoir fait tout ça, vous allez obtenir l'émoticône dans quelques heures après vous êtes inscrit. Et on se retrouve tout de suite pour le code de la map pour avoir la pioche.
Ok les gars, du coup, là je suis sur le site officiel du code de la map. Hop, donc voilà. Lancer Fortnite, hop, entrer le code, sélectionner jouer, hop, charger l'île, vous connaissez. Donc voilà le code, vous pouvez appuyer dessus, ça le copie. Donc c'est la map qui s'appelle SinceRise Qualifier, ok, Creative Mayhem 2. Donc c'est le deuxième tournoi, je me rappelle, il y en avait déjà un à l'époque. Donc Team Steel, c'est lui qui a écrit la map. Et donc voilà le code, hop. Vous le copiez et vous allez aller sur Fortnite juste maintenant. Ok les gars, on est de retour sur Fortnite. Et donc maintenant que le code, je l'ai copié, on va aller ici. Hop, vous voyez, il y a plein de maps. Déjà, la map, elle est peut-être tout en haut. Donc regardez, vous avez vos maps, vous montez. Hop, et elle est peut-être ici. Donc si elle y est, vous pouvez jouer directement. Mais je vous conseille quand même d'aller dans code et de coller le code qu'on a vu. Hop, ça va vous la mettre. Vous pouvez la mettre en favori si vous voulez. Vous appuyez sur jouer. Hop, partie en privé si vous voulez qu'il n'y ait personne. Mais normalement, de toute façon, il n'y aura personne vu que c'est une map en solo. Mais on sait jamais. Mettez quand même en privé. Hop, on lance. Et dès qu'on va être dans la map, il va falloir attendre 30 minutes. Ouais, c'est long, 30 minutes. Mais pendant que vous attendez 30 minutes, vous pouvez regarder une vidéo YouTube de NCU par exemple. Je sais pas. J'avoue, pendant que vous attendez 30 minutes dans la map, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos que j'ai sorties. Il y en a plein que vous n'avez pas regardé, je pense. J'ai fait une vidéo Minecraft, j'ai fait un highlight, donc n'hésitez pas à aller regarder. Hop, la map se lance tranquillement. Hop. Voilà. Wow, ça bug un petit peu. Déjà, en plus, vous avez un gameplay de la pioche, vu que je l'ai déjà, moi. Très stylé. Hop, ça se lance. C'est un petit peu long. Ça dépend de la connexion, en vrai. Ça se trouve, il y en a, vous allez mettre 3 ans à lancer. Ok, ça charge. Vous avez le code juste en haut d'ailleurs, si vous voulez le prendre directement. Même s'il sera sûrement en description. Enfin, il sera en description, vous inquiétez pas. Et donc là, hop, voilà ma petite voiture. Hop. Et voilà. Dès que j'ai fait ça, dès que j'ai passé le premier, voilà, la première barrière là-bas, vous voyez le temps qui s'affiche en haut. Et dès que vous voyez 30 minutes, vous pouvez quitter la map. Vous n'avez pas besoin de la finir la map, vous n'avez pas besoin de quitter d'une façon spéciale. Juste, il y a marqué 30 minutes, vous pouvez quitter. Tout simplement. Non, je vais pas faire la map parce que je l'ai déjà fait une fois moi. En vrai, je vous conseille quand même de la faire. Vous avez 30 minutes de toute façon, donc elle se fait en 5 minutes la map. Donc vous pouvez la faire vite fait. Juste au moins pour voir comment elle est, tu vois. Et puis ça se trouve, vous pourrez débloquer la pioche plus vite en le faisant. Du coup voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Hop, je suis en train de faire la map carrément. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez tous les liens en description voilà quoi. Et surtout, n'oubliez pas le code créateur NCU dans la boutique Fortnite, à liker, à vous abonner. Et à mettre un petit commentaire si je vous ai aidé ou si vous avez des questions. Sur ce, ciao!